Le Malien n'a jamais aimé l'Ivoirien. Debodo, qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu peux pas t'arrêter un peu? Toujours qu'on dort, qu'on se réveille! Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles! Il n'a jamais vu le roi! Le roi n'a pas déjà parlé! Je ne sais pas, sans croiser le roi, c'est pas bon. Le roi m'a appelé hier nuit. Il dit le père d'Allah est venu à Abidjan. Il m'a accueilli. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui me fait pitié. Le roi. Attends, mais c'est quelle histoire encore ça? C'est l'histoire du roi 12-12 du Mali et le roi Wowo chien de la Côte d'Ivoire. Lui là, c'est pas un bon Ivoirien, il te jure, c'est pas un Ivoirien, mais te jure. Il va donner sa femme, il va donner ses enfants, le roi 12 va les mougou. Ah, moi, pour dire vrai, j'ai pas apprécié du tout le comportement de ramper du père Daloa. Non, sincèrement, non, moi, j'ai pas apprécié. Tout le monde dit, ah, c'est que le père Daloa, il est exagéré, c'est que le père Daloa, moi, je peux pas faire. Mais tu connais pas quand tu es fan de quelqu'un. Vous ne le savez pas, vous n'êtes jamais tombé fan de quelqu'un. Si vous êtes fan de quelqu'un, c'est ton idole. Et dis, même si la personne dit même que tu vas faire, parce que tu sais tellement que tu aimes la personne. Alors, tu vas aller te traîner devant quelqu'un. J'aurais préféré que ce soit devant Ibawan, devant peut-être les petits artistes là, comment ils s'appellent comment c'est lui. Ouais, bon, on va dire, c'est qui tu t'es couché devant lui, on peut comprendre que ça cause ses mélodies. Lui, au moins, il fait quelque chose qu'on écoute, qu'on apprécie. Ça te pénètre dans le corps. Ben, tu te mets à genoux, tu te prosternes devant un être humain. Et un être humain qui est de quelle nationalité? Malienne. Enfin. Mais toi, ce que tu dis là, c'est que tu comprends. Ah, là, moi, je comprends pas. Sidiki et Ibaon, eux tous sont des Maliens. Et je comprends bien le début, mais là, la fin, là, moi, je comprends pas. Et on le dit toujours, c'est l'Afrique qui gagne. Debodo, qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu peux pas t'arrêter un peu? Debodo, tu peux pas t'arrêter un peu? Est-ce que tu as oublié de faire buzz, d'insulter les gens chaque jour, frère? Est-ce que tu es obligé de faire buzz, d'insulter les gens chaque jour? Insulter d'autres nations chaque jour? Sans les Maliens, tu penses que la Côte d'Ivoire allait exister? Le Malien n'a jamais aimé l'Ivoirien. Si tu ne mets pas des Camerounais, tu ne mets pas des Béninois, tu ne mets pas des Congolais, oui. Si tu ne mets pas même des Béninois, des Togolais, des Kouaï consorts, des Guinéens, aux alentours des Sénégalais, ils adorent la Côte d'Ivoire. Mais les Maliens, je ne sais pas ce qu'ils ont contre les Ivoiriens. Mais le roi Doudou, c'est un boss. Le roi Doudou, ton agent, c'est pas où c'est quitté. C'est fétiche, c'est drogue, c'est or. On ne sait pas. Oh Seigneur! Ressaisissez-vous. Je vois que tu mènes un combat. Alors, quel message adresses-tu aux Ivoiriens? Point d'interrogation. Ivoirien, réveillez-vous. Quand il parle du patriotisme, voilà où le pays est en train de partir. Je fais appel au gouvernement. Préziado, pardon, la mendicité là, faut abolir. Au Sénégal, tout ce qui est mendiant, les affaires repliées. Le père Daloa, tu viens, tu te traînes devant les gens, tu gagnes là, on te demande, tu as une vie. Non. Comment je me suis entendu?
Alors, si tu as aimé la vidéo et tu sais ce que tu as fait, aime, commente et partage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura plein et plein de vidéos. Ciao! Ok. S'abonnez-vous dans la page. Bonne nuit.